Bonjour YouTube, ici la mère des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un petit voleur huile. Alors une version assez classique, la version d'orange, avec lequel le joueur de la team par contre, avec lequel il vient de gagner la DreamHack Leipzig, en Allemagne bien entendu. Alors du coup c'est du ultra classique, matelot, tout ça, déluge, enfin, tout ce qu'on voit dans un voleur huile. Le deck n'a pas modifié mais toujours aussi efficace, on va regarder ça. Si jamais vous n'avez ni Van Cleef, ni Mage de Santalnos, Mage de Santalnos vous mettez un prophète du cercle terrestre, Van Cleef vous mettiez un déchiqueteur pailloté. Voili voilou, comment ça va se jouer? Eh bien écoutez, on va jouer tout de suite. Je rappelle donc rapidement, mage de Santalnos, prophète, Van Cleef, déchiqueteur piloté. Tout le reste c'est du assez classique, vu qu'il a qu'un heal, il doit misérer contre les jeux aggro. Par contre il doit mieux s'en sortir contre tout ce qui est midrange et un petit peu plus contrôle, notamment contre les os. Eh bien on joue contre Paladin, donc normalement c'est un bon match-up. Après maintenant faut le prouver. Ok, on a l'attaque sournoise qui est intéressante, préparation à toujours conserver en main de départ, en plus l'agent, parfait. On se met pas trop mal, un petit éventail, tout ça. On a du bien bien lourd. On like. On like, on like. On like, on like. Bien. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi, Chronos. J'espère que toi ça va, moi ça va. Si toi ça va, moi ça va aussi. Et fin de tour. Incroyable, une fin de tour. Ouch, un token. Oui. On va taper là-dessus. Badaboum. Si j'appuie pas sur fin de tour, ça va durer longtemps la vidéo. La vidéo la plus longue. Pourquoi la vidéo est la plus longue? Parce que la marmotte n'appuie pas. Oh, ça joue Murloc. C'est un bon match-up pour moi, Murloc. Normalement. Toujours dire normalement qu'on n'est jamais sûr de rien, Ersto. Allons le dépop. Et on se soigne, on garde le petit effet pour autre chose. Non, parce qu'en fait, on peut mettre une grosse pression avec les huiles, tout ça, on devrait piocher plus que lui. Enfin, si je récupère la draw, donc tout ça, c'est pas mal. Alors. Ah, parfait. Pas du tout parfait, mais parfait. Ah, bah, lancer un tour, ça, c'est vraiment parfait par contre. Surtout que pour l'instant, normalement, il met pas le point manquant, sauf à balancer une consécration en plus dessus. À ce moment-là, il ne fait rien d'autre. Bon, là, je serais pas contre un petit sprint, là. Il se mettrait trop bien. Ah, le Murloc de 1 chargé relou aussi. Ok, papa Murloc. Ça change rien, je trade les deux dessus. Voilà. Et de 1. Et de 2. Ok, donc on va pouvoir tuer ça 3-3. Intéressant, petit match de Santalnos, une attaque sournoise. Allez, puis on va lui mettre deux dans la gueule. Là, on est clairement en attente d'un sprint pour un petit peu se donner un second souffle. On veut quoi? Du sprint, du Drake Azur. Les cartes qui font piocher. On a encore démonté du couteau au cas où il a que 6 cartes en main. C'est pas ouf, normalement, c'est plus beaucoup plus. Par contre, il m'a fait vraiment tous les murlocs de son jeu. Tous les murlocs de son jeu. Il les a eu le coquin. Ok, une petite huile. Nice, nice. Un Van Cleef. Alors, imaginons qu'on fasse ça. Qu'on fasse ça. C'est un gros Van Cleef, c'est pas forcément ouf contre lui. On va le tester, mais en fait, le gros Van Cleef, il y a de fortes chances qu'il serve à rien. Notamment parce qu'en fait, il joue garde Pédador et tout le reste. Alors, le met 6-6, c'est suffisant. De toute façon, ça donne un létal au prochain tour, quasiment. Donc. En fait, je suis pas très très. Enfin, il a deux gardiens de Wildaman, deux gardes de pédale d'or. Il a égalité, consacre et tout le reste. Voilà, deux gardes de pédale d'or, comme je l'ai dit. What surprise! Et un hospice. L'hospice, je vous avoue qu'on s'entend pas un petit peu le coquillard. Allez. Il dit bien joué, mais on n'a pas le létal. On l'a toujours pas. Je vais faire ça. On a toujours pas le létal. On va faire ça. Létal. On va faire la pièce avec le bon déluge. Voilà, permettre de ça et de mettre cela quand même. Bon, décidément, on ne l'a pas eu. C'est pas venu. Du coup, il y a certainement Simpo des mains. Pour faire Drake et taper dedans. Mais c'est pas passé de pas loin, mais ce n'est pas passé. Allez, l'impo des mains, c'était obvious. On lui met les points d'équin qui regagne et on pose un monstre en plus.
avec une draw, c'est pas trop mal. Un déchiqueteur, alors on va plutôt mettre de la draw. On va piocher le petit matelot. Alors, ça tape, ça tape, ça tape. On va garder le matelot au cas où on chope la deuxième wheel, notamment pour faire un létal. On va certainement se prendre égalité consacre. Le pire, ce serait pyromancien, égalité. Et ok, veille solennelle, donc ni l'un ni l'autre, ni pyromancien, ni égalité pour l'instant. Donc ça passe bien. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Ah bah le pyromancien égalité qui arrive enfin. Il l'avait déjà. Ah Murloc, j'ai peur. Je ne contrôlerai pas ses plays. Et bah c'est le JJ 1-0. Heureusement, il a pas eu la petite égalité qui manquait. Après même si il y avait égalité, on aurait fait le Drake, on aurait pu faire ça, encore un déchiqueteur. On avait encore des moves quoi, on était loin d'avoir perdu, ça fait un petit 1-0. C'est bien du coup, là c'est bien passé, après c'était un bon match. Tant mieux, on a aussi le droit de tomber content des bons match quand on joue. Ça c'est important. Pardon. Je m'enflamme. Ah, un deuxième paladin, Forza. Oh! Alors, si lui il est pas italien et fan de la Juventus de Turin. Non, mais il va pas me la faire. Il est italien, fan de la Juventus de Turin. Alors, on va juste garder le poison pour traiter des petits monstres en début et voir ce qu'on va choper pour le reste. Que double poison wheel, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Alors. Tout le plaisir est pour moi. Donc ça joue secret. Après, j'ai une main avec des armes, mais est-ce que ça va suffire contre secret? On n'est jamais sûr. On peut toujours avoir tellement de mauvaises nouvelles. Allez, le renfort, on va essayer de faire des pop à l'arme. J'espère que ça fonctionne. La prépa, ça c'est Bobby. Et la rédemption. What? Non, c'est bien vengé. Régiment? Régiment, du coup là on va clairement pièce enseignante, taper dedans, prépa et déluge. Faire mass token sur le board et prendre le contrôle. Donc on fait pièce enseignante, on tape dedans, la prépa. Je suis là pour apprendre. Il y a eu des erreurs. Et la 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 coin coin coin. Toréador, Toréador, tu es le plus fort. Bon. Alors dans, en vrai, il devait plus avoir de board. C'était beau ce que j'ai fait. Ça a pas marché. Mais c'était beau. Je sais plus quoi vous dire en fait. Je suis au bout du fond de ma vie. J'ai l'air d'un con. Vraiment. C'est fort, Shredder. Je valide. Bon, ben, j'ai perdu. Enfin, j'ai pas perdu, mais j'ai tellement ruine. J'ai été tellement loin dans la ruine que si j'arrive à gagner, c'est vraiment que je suis un génie. Que le match-up est vraiment à mon avantage. Ça sent la consécration. Une créature avec 3 points de vie, s'il vous plaît. Enfin, 3 de force, surtout. Un pop avec 3 de force. Merci, la régie de la luck. Merci. Merci, la régie de la luck. Allez. On va pas la faire à l'envers deux fois. Bien. On espère qu'il n'y a pas d'adversaire mystérieux qui sucks. Enfin, qui me sucksserait le groin, surtout à moi. Mon nom. Il est là. Pas la grosse surprise de l'année non plus. Je passe à. Oh, il trade. Intéressant. Il y a des besoins. Un matelot en plus. Allez. Si j'attaque, est-ce que je meurs au prochain tour? Non.
Allons-y. De toute façon, quoi que ce soit, je ne meurs pas au prochain tour. C'est très important comme phrase. Et de recréer une arme aussi, c'est très important. J'ai besoin de 1, 5, 7, ouais. On va voir comment ça se passe. Je suis pas forcément très confiant. Au moins, je devrais tout pouvoir trade au prochain tour. Je prends 5, 11, 6. Ah, c'est bon, il n'y a plus de trucs qui donnent plus en plus à tout le monde. C'est bon ça. Du coup, peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. Gros malentendu, mais. D'avoir l'esprit combatif en main. Préparation serait la meilleure draw possible. De tout. Il n'a pas envie de trade si. Enfin, il va trade, il va mettre dans la gueule quoi. Un bon trade le mettre dans la gueule de Marmotte. C'est value. En préparation, j'ai gagné la game. Mais j'ai un petit peu gâché la dernière. Hein, on va pas se mentir, j'ai un petit peu envoyé dans le vent. Du coup, il n'y aura aucune justice si je l'ai pioché. Mais bon, on n'est pas pour la justice dans le monde, hein, si vous regarderiez pas la chaîne YouTube Torque et Marmotte. Vous voulez du sale. Du salace. Tu es de ta galasse. Allez, mini robot blindé du bonheur. Voilà. Oh, il passe à 16. What? Ok, l'esprit combatif. Est-ce que j'ai pas win? Attendez. Ça fait, je mets lui, ça fait 4, 11, 15, c'est ça, je suis rect, incroyable. Attendez, je réfléchis, je mets lui, il reste 6, 4, fois 2, 8, 8, et 5, 3, ok, ça marchait pas dans aucun cas en fait, en vrai. Ça ne marchait jamais. Voilà, et donc là je prends 3. Et là pour l'instant je vais jouer au prochain tour. S'il m'a pas chopé un truc qui me met 4. J'espère. On a le droit de believe. Ah. Bah non, il l'a. Il l'a, tant pis, me sentir-moi de la faute. Jamais je dois la perdre celle-là. Celle-là se met 2-0, elle compte pas. C'est pas une défaite celle-là. Oh, mais ça c'est la fatigue, la tristesse infinie de la mort. Oh, c'est la tristesse du summum du mauvais jeu. Bah vous voyez, c'est pour ça que vous voyez que nos vidéos sont faites sans trucage. Et par des professionnels, le misplay arrive fréquemment, bien entendu. Les misplays comme ceci arrivent de temps en temps. Voilà. C'est ballot, hein. Car c'est tellement ballot. C'est tellement joué à rien. Allez, on va jouer à Seeds, un deuxième paladin, espérant que cette fois je joue mieux. En même temps, faire un misplay comme j'ai fait, c'est compliqué d'en faire pire. On va voir, je suis pas sûr que ce soit possible de faire pire. Mais la marmotte est toujours capable de tout. J'avais tellement tout pour tout contrer. Tout le plaisir est pour... Ouais. Hop là. On va attaquer, hein. Ah, ça fait plaisir, ça, le noble sacrifice inutile. On aime. C'est parfait, il a mis 2, il est mort, il a mis 2 points. Bah, génial. C'est le grand like. Ça chauffe par ici. C'est quand là tu commences à avoir un doute sur le jeu adverse. Quand tu vois ça, tu. What the fuck? On va faire ça. Bon, là, tu vas pouvoir faire l'enseignement de prochain tour. Sauf s'il fait régiment de bataille. Après, il joue peut-être Renault aussi. Ah, l'adversaire de butin. What? Il n'y a qu'un secret. La vie de secret. Concentrez-vous. Allons-y. Et ça repop pas. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Au moins, je sais par contre que j'ai un monstre. Ce qui est une bonne idée. On aime avoir des monstres. Ok, sa pièce, sa loatep, sa crajoa, sa crajoa. Donc Van Cleef ce sera pour plus tard, pour faire joujou. Tac, je vais pas attaquer pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Ah, c'est un +1/+1, ok, l'esprit combatif encore une fois, assez peu utile, mais je ne vais pas m'en plaindre.
pas m'en plaindre, peut pas faire régiment de bataille. Là, ok, rouage marteau, non ça c'est méga relou. C'est-à-dire qu'il va taper dans l'enseignant de pourpre en priorité. Sinon ça n'a aucun sens. On a déjà vu tellement de choses étranges dans le monde erstonien qu'on ne serait plus à sa prix. Une attaque sournoise, du coup je joue un spell. Deux spells. Et vaincre. Ouais, les 6-6, il est bien. On met pas notre point, sait-on jamais que ça puisse servir. 3 matchs, 3 matchs sur paladin, je veux dire 3 types de paladins différents, ça résume bien la méta. Faudrait casser le token. Très casure. On tape un token. Ça se venge. On est viscère. Et des viscères, ça fait beaucoup. Allez, et on tape dedans. Ça met pas trop mal, j'ai l'impression, en dehors d'un Docteur Boom de l'espace-temps. Ouch, j'aime pas l'écart de la droite, ça me stresse. Égalité, consécration, le bon top deck. Ah, on peut le dire, ça a bien top decké en face. Ça, ça s'est fait plaisir, et ça s'est fait plaisir de notre gueule. Bon, on va pouvoir semer. En vrai, j'ai bien envie de continuer de piocher. De toute façon, pour le tour, je peux faire 7, 6, 2. Parfait. Prochain tour, gros tour. Ah, encore de la droite. Pas qu'il commence à être désagréable, mais un tantinet quand même, hein, un gros tantinet là. Donc, prep, ce serait utile pour tantôt. Enseignante, ce serait utile pour le prochain tour. On peut taper tout ça là-dedans. On peut une arme. Je peux rien jouer. Joue-moi un Tyrion qu'on s'amuse, mec. Vas-y, joue Tyrion, s'il te plaît. Joue Tyrion, joue Tyrion, joue Tyrion. Ring, joue Tyrion, joue Tyrion, joue Tyrion. Manque de fun, manque de fun, manque de fun. Manque de fun, pardon. Allez, moi il passe à 14. On n'a pas de létal, mon grand désarroi. On va draw. Imaginons qu'on recrée une arme. Il me reste 5. Ça fait 4, 3, 2. Ça fait 4, 3, 2. Et c'est bon, on a le létal, normalement. On fait le poison. On fait ça. 3. On fait la préparation. On fait l'huile. On attaque. On réattaque, on dit bien joué, et c'est le déluge de l'âme, bien joué. Vous m'écoutez, 3-0 contre Paladin, bien entendu, la défaite du milieu ne compte pas, elle n'aurait jamais dû arriver. En tout cas, j'espère que ça vous a convaincu que c'est un bon deck contre Paladin dans la... Voilà, contre Paladin, ça les défonce, car le Paladin n'a pas suffisamment de burst pour mettre la pression. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aucun commentaire hein, sur le misplay de deuxième game, il n'a jamais existé. Je vous fais des bisous, de l'amour, et à très bientôt, YouTube.